Comme vous nous voyez avec Kevin, nous révisions justement nos poses pour les street style. Un street style, c'est quand un blogueur mode rôde comme un chacal pour prendre une photo de toi et le mettre sur son blog. T'avais pas de frange, toi? Si. Non. Si. Non. C'est bon. Oh, la honte. Trop. Oh, elle a pas mis de soutif. Please, I have a sky blog. Maddy, elle est dégoûtée parce qu'elle a pas eu le temps de se coiffer. Elle est prise en photo par une street styler. Ça, c'est un couturier italien qui s'appelle Fabio Lucci. Pour tenir toute la journée dans la Fashion Week, il faut manger vitaminé et léger. Donc, qu'est-ce que je te mets? Un lait de coco ou une infusion aux échalotes? T'es sérieuse, hein? Un lait de coco ou une infusion aux échalotes? Vas-y, mets-moi un jus d'asperge. Deux jus d'asperge, s'il vous plaît. C'est une trop bonne idée, j'aurais pas pensé. Tu vois, tu peux pas excuser l'ignorance de tes amis, il y a quand même un minimum à savoir en matière de mode. Les chaussures à la semelle rouge. Ah ouais, les charentaises. Ouais, par exemple, dans FIFA, le mode multijoueur est moins bien que mon PES. Attends, mais tu sais où on est là? À la Paris Game Week. Cette honte, n'importe quoi. Ça se bat des vêtements de Sims. Et voici le pigeon 2013-2014 avec son plumage soyeux. Ouh. Je pense que le vrai avantage de la mode, c'est que tous tes défauts se transforment en qualité. Tu vois, par exemple. Ah oui, attends. Moi, par exemple, je fais pas un 48, je fais la taille de Karl Lagerfeld dans les années 90. Exactement. Je suis tellement fière de toi. Bah. Bon, elles sont où les meufs là? Mais pas tes trucs là comme ça, hein. Donne-moi de la vraie là, du là, tu vois. L'avantage de ce manteau en fait, ça c'est un défaut qualité, c'est que c'est du recyclage de paillasson. Et ça c'est important. Ça c'est le fut du génie de la lampe. Là on a pyjama de soie. Ouais, et de soirée, tu peux dormir et le matin quand tu vas en soirée, directement, t'es habillé. Tu sais Kevin, à la Fashion Week, pas besoin d'en dire des tonnes, parfois un simple regard suffit. Ouais. Je te méprise, Kevin. Tu fais quoi là? Tu m'analyses? Ouais, devine ce que je pense. Tu n'as aucun style. T'as envie de faire caca, Maddy. Tu veux un smecta? Bon bah, c'était pas mal cette Fashion Week, on a quand même vu des trucs plutôt jolis et... Pas mal. T'es sérieuse, moi? C'était génial! On a rencontré des stylistes, on a dit qu'il y avait un petit style boyish, rétro 80, avec mes bottes de hard worker des années 90. Attends, non, je suis désolé, mais l'année prochaine, 2014, on revient, c'est obvious! Et viens maintenant, on a Colette juste à côté, on va faire une petite session shopping. Ok! Allez, c'est parti! Conseil numéro 6, tu peux t'abonner à la chaîne d'Au Féminin, c'est grâce à eux qu'on a pu aller à la Fashion Week.